Hop. Casier, moi je te les porte d'un bras. On sent que Gigi là t'es énervé. Hein. Ah, je suis énervé, c'est bon, ça commence à m'énerver. Putain, ça m'énerve ce genre de truc. Écoute, ça m'énerve, moi je te dis, ça me fait peur. Et quand j'ai peur, tu sais ce qui se passe, et bah je suis énervé. Voilà. Ah bah ça se voit, hein. Ouais, ça, non mais moi ça m'énerve aussi. Donc, là je vais en toucher deux mots à l'autre con. Là, il va faire de quoi René la taupe. René la taupe, je lui en toucher deux mots. Il est mieux comme une taupe, il porte bien son nom celui-là. Qu'est-ce que tu veux qu'il voit? Il verra rien du tout de toute façon. Ah mais en plus, je te l'ai dit, il a des culs de bouteille à la place de ses lunettes. Alors, foiré. Encore une journée, puis il y a déjà du sang partout, mais quelqu'un qui est venu ici ou quoi avant? Oh Béatrice! Oh mais Gigi! Comment tu vas? Ah bah ça va, viens je te fais la bise. Allez, on dit donc t'es toute fraîche aujourd'hui. Ah bah toi aussi, dis-moi. Par contre, on peut pas dire pareil de ce qui nous entoure. Ah bah non, je suis arrivé il y a quelques minutes, c'est dégueulasse, d'un dépotoir le truc. Oh. C'est dégueulasse, dis-moi là, oh là, on est encore sur des bails... Ah bah, c'est pas étonnant qu'ils nous donnent le sale boulot, hein. Quand tu vois l'état, regarde-moi ça. Bah ouais. Que des gens qu'on nettoyait avant. Bah, j'ai l'impression qu'il y a que ça. Hein. Mort, pire. D'ailleurs, je me suis fait un mouron, toi t'étais pas venu le mardi, du coup, le lendemain. Non, je suis pas. Bah, je t'ai pas raconté, bah non, du coup, on s'est pas. Vas-y, dis-moi tout. J'aurais dû t'écrire un petit texto là. Ça a pas bien fini pour moi, ma Béatrice. Hein. Bah ouais. Je vais pas te raconter, bah. Par rapport à l'histoire du poltergeist là. Bah attends, je vais te dire, j'ai passé une mauvaise soirée, là. Attends, je rentre chez moi, tu vois, je me gare et tout, enfin je me gare, grand mot, tu vois, avec ma trotte, je me posais et tout. Bon, tu sais, je vais prendre une bonne douche, parce que t'as vu, on sent quand même, on sent pas mal. Ah oui, ça... Quand on fait un boulot, on pue, hein. Quand même, faut dire ce qu'il est. Un petit peu d'hygiène quand même. Bah oui, c'est ça, coucher, voilà. Enfin, du coup, je décide d'aller prendre une douche, ma fille n'était pas encore rentrée, je me suis dit, je ferai à manger après, tu vois. Ouais. Je vais prendre une douche, tu vois, je me mets nu, tout ça. Ouais. Je me regarde dans le miroir, tu vois, pour voir comme d'habitude, tu vois. Je regarde si ça couillonne pas un endroit, tu vois, nickel. Et tendu, voilà. Et vlati pas que je me retourne. Tu vois, au niveau de mon épaule, regarde ma... Attends, je vais te montrer, moi, tu vas voir. Attends, vas-y, je me permets. Hein. Vas-y, attends, je me dézippe un peu, tu vois. Regarde mon épaule, une griffe. Mais regarde-moi ça. Une griffe, tu vois, là. Attends, je me retourne un peu. Attends, me retourne un peu. Regarde, tu vas voir derrière. T'as vu cette griffe? Elle fait tout l'homoplate, le truc, là. Mais je t'ai... Mais ça me brûlait, tu vois, après les... T'as un chat chez toi? Un chien? Enfin, je sais pas. Ben non, justement. Je n'ai rien du tout. Au début, j'avais pensé que c'était ce putain de rat, tu vois, qu'on avait chopé là. Ouais, je me suis dit, c'est serait la griffe. T'aurais pas fait ça quand même. Voilà, quand tu vois la griffure. On est sur une griffe de type, je sais pas, mais on est sur une griffe en tout cas, c'est sûr. Alors là, du coup, tu vois, j'ai senti de forts picotements quand on est passé. Quand on s'est pas... Ouais, voilà, ça me brûlait, ça me picotait, tu vois, dans le dos. Je me suis dit, ah, ça c'est la bouteille de mon soutien-gorge, comme d'habitude, tu vois. Je me suis dit, on est des filles, tu vois, ça gratouille, des fois c'est chiant. Et tout, ben là, je t'ai dit, je me dessape, bam! Je vois ça comme ça, tu vois. J'ai mis de la crème, j'ai mis des trucs, ça ne part pas. Regarde-moi ça, ça ne part pas. Je vois ça, Tu peux me rezipper par contre, parce que là, il y a quelqu'un qui vient. Ah là, c'est bon. C'est bon, ah merci. Et moi, je te raconte la même chose aussi, hein, quand je suis rentré chez moi. Hein. C'est pareil, même bordel. Je me sentais pas bien. Hein. Oh, c'est vrai. J'aurais dû voir l'état. Ah, j'étais pas là, et puis... J'en ai vomi toute la nuit. Bah... Ouais. Béatrice. Ouais. Fais attention. Attends. Béatrice, viens. Viens là. Viens là, discrètement. Oh putain, mais ça va jusqu'où ces conneries? Attends, viens là. Regarde pas en bas. Il y a une caméra à gauche qui bouge de gauche à droite et qui écoute potentiellement tout ce qu'on dit. Je vois ça, on est surveillé. Alors fais attention parce qu'on a parlé de poltergeist. Bah écoute, on a parlé de poltergeist, tous les trucs comme ça. Si les fantômes savent manipuler les caméras, on n'est pas dans la merde, Béatrice. Bah, fais attention. Je te raconte pas. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en ai parlé à René et Michel, tu sais. Ouais, dis-moi. Michel de la compta, il m'a dit d'aller voir René après. C'est lui qui fait l'émission. Ah, je me suis plaint, hein. J'ai dit à chaque fois, c'était nous qu'on nous envoyait sur des endroits de merde comme ça, etc. Ah, bah, penses-tu il a dit quoi? Ah bah il a dit en gros qu'on était les plus aptes à ce genre de mission. J'ai dit bah c'est bien d'accord, forcément c'est bien les beau plus aptes. Hein? Forcément les plus aptes, c'est toujours les mêmes qui nettoient les merdes. Bah j'ai dit c'est bien beau, mais c'est sûr que c'est pas toi qui récurerais dans des trucs comme ça. Tu te ferais dessus mon salaud. Oh, et mais puis après j'ai claqué ça, la porte à sa gueule et puis voilà quoi.
Mais c'est gigantesque, ma Béatrice vient d'où? Mais il y a que des personnes de chez nous, on peut... Oh non, de Dieu. Il y a que des gens de chez nous, là. Weir, Ar, Our, Rit, Well, Talk. J'ai l'impression que ça talk. Talk, c'est comme les talk shows, ça veut dire parler, oui, non? Oui, c'est ça, c'est parler, oui. C'est donc, il veut qu'on parle. Là, grosso merdo, je te le traduis, ça dit, où sont nos droits? Nous parlons. Là ils sont pas prêts d'en parler, je te le dis. Ah bah non, ils sont tous... Regarde ça. Mais ça c'est un signe, ça. Hein. Oh. Moi je te dis, ils veulent plus des gens du ménage comme nous. Ils veulent plus qu'on fasse le ménage. Sauf que nous, si on fait plus le ménage, comment on fait maintenant? On a plus d'argent, on a plus rien. On gagnera plus notre croûte, hein. Ça va falloir en parler, ça. Oh non. Oh bordel! Ah bah là au moins ça va être facile pour nettoyer, tu passes comme ça. Ouais, je vois ça. Là au moins c'est plus rapide, hein. Ah ouais? Ouais. Bon, attention, on est observé de partout. Oh viens là, moi je le sens pas. Il y a un code ici. Non, faut trouver un code. Non. Ah, si toutes les portes elles sont... Oh. Béatrice! Gigi! Putain. Oh putain. Je viens de voir un fantôme. Béatrice! Gigi! Où c'est que t'es? T'entends? J'entends que ça vient d'en bas. Gigi! Béatrice! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Gigi? J'ai vu un fantôme. Hein? J'ai vu un fantôme. Encore un autre poltergeist, là? J'ai vu un fantôme, je te dis que là, c'est... J'ai eu un truc noir, mais noir, genre là où t'es. Au plafond, il y a un truc, mais noir, qui est monté de là, chloup, comme ça. Oh, fais gaffe, mets-toi pour en dessous, hein. Oula, oh, t'as raison, c'est vrai, je pourrais me faire avaler. Je te jure. Bah non, mais moi j'étais en haut, je t'en prie, comme ça, là, qui sait. Oh, comment ça, t'étais en haut? Tu m'as suivi tout du long, tout à l'heure, c'était bien avec toi. Ben non, j'étais en haut dans les bureaux, tu me disais viens, on va ensemble. Et du coup, moi, j'ai dit j'arrive, mais j'étais à l'autre bout. Du coup, j'étais entendu descendre, mais. Ah non, j'étais pas avec toi, Gigi. Hein. J'étais en haut en train de regarder. T'étais là, tu me parlais et tout, et puis paf, t'étais plus là. Ah non, non, je te jure que c'était pas moi, Gigi. Moi, j'étais dans les bureaux en haut et j'arrivais. On n'aurait jamais, t'aurais jamais dû lui mettre un coup de balai, ça va nous poursuivre, ces connards, ça va nous poursuivre. Oh, funaise. Je le sens mal. On vient donc, mais maintenant, je te dis, ça pue la merde. Tu la sens, cette odeur? Je sens bien que ça sent la merde. Oh pas que la merde. Ah bah, on l'a trouvé. Ah bah, il était là, le crématorium. Là. Mais tu te rends compte, tout le chemin qu'on doit faire? Oh là là, pff, non, mais il pourrait pas le poser. Oh là mais viens voir. Oh putain. Ah, ça n'arrête. Oh là là, oh. Ça fait du bruit, si on va le mettre au feu, hein, ça me casse les doigts. Ouais, vas-y, mets-le donc au feu. Bon, viens, on va tout mettre au feu même. Tout ce qui est en bas, on le met. Tout ce qui est en bas, on le crame, c'est tout. Enfin, ouais, ça reste de péter à l'œil. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ça fait beaucoup de fumée aussi, tu trouves pas? Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de fumée. Bon, putain. Il y a pas de fenêtre. Il y a pas de fenêtre, tu vois, c'est ça le problème. Putain, c'est qu'il y a 10 000 portes de garage là-dedans, on n'a pas une seule clé. Je vais te dire quelque chose. Mais sérieusement, mais... J'en ai marre, les gens sont des cons, on est pris pour des cons. J'en ai marre. Tu sais, je suis en train de stresser, ma petite Béatrice. Je sais pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Je suis sûr que t'étais derrière moi. Ben non, je te jure que c'était pas moi. Je te le jure. On pourrait faire un truc que je cautionne pas de base. Oui. Fille, écoute-moi bien. Y a plus de sous. Tu fais quoi là? Mais. Pourquoi tu fais ça? Qui s'y me fait là? C'est pas... Ah bah voilà, j'ai tout renversé. On prend tout, les cadavres, on prend tout. Oui, on balance tout dans la cage d'escalier, tout. Ah, oui, ouais. Tout dans la cage d'escalier, ouais. Puis après on ira dans la cage d'escalier, on récupérera. On récupérera tout ça. Ouais, allez, c'est parti. Allez. C'est merde, à chaque fois, de toute façon, je vais tout mettre sur le canapé comme d'habitude. Les machins, payeuse, je t'en fous des payeuses, je vais aller chercher des trucs moi. Parce quand même, mais c'est putain. Et voilà, il y a encore des merdes. J'en ai marre. Béatrice! Ah, je l'entends. Gigi! Ma gueule. Je vais lui mettre un pan, ça va partir d'un coup. Ça commence à m'énerver, ces histoires. Gigi! Béatrice! Ah, je t'entends, j'arrive. Béatrice! T'es où? Oui, t'es où? Là.
Oui. Mais, si, mais, ça t'abuse? mais qu'est-ce que tu as fait? T'as fait un déménagement là ou quoi? Ça t'abuse? De Tu quoi? rigoles? Hein? Tu t'abuses, ça y est, tu vois que j'ai des trucs dans le dos et tout, ça t'amuse? Mais c'est pas moi, Gigi. Moi j'étais en bas en train de faire correctement mon truc là, à brûler les bordels. De quoi tu faisais correct? Ça, c'est pas toi, ça? Mais je te jure que non, puisque j'étais en bas moi, Gigi. Toi qui fais un déménagement, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? T'amuses à faire des murs? Ok, si tu dis la vérité, Si. jure-le-moi sur ton hamster russe. Ah non, tu vas pas jurer sur noisette quand même. Bah, c'est quoi, j'ai rien à me reprocher, Ok, je bah le jure sur d'accord, noisette. alors jure-le-moi sur ton cochon d'Inde poutine. Je le jure sur Poutine également, ce n'est pas moi. Je jure. Pas moi. Là, je commence vraiment à avoir peur. Bah, et si tu me dis que c'est pas toi non plus. Mais je Mais te le jure que c'est pas moi. qu'est-ce que. J'étais là-bas, en train de nettoyer. Je reviens là, regarde, pour récupérer un truc. Bam, comme d'habitude, ces machines de merde là, elles sont encrassées, ça me sort toujours de la merde. Du coup, et là, bam, je me retourne et je vois ça. Comment Alors encore? que quelques secondes avant, il n'y avait rien. Oh J'ai cru que oh c'était toi qui me faisais une blague. oh. Mon Dieu. Moi, ça me dit rien qui vaille tout ça. Moi, ça me. Mais ouais, enlève-moi ça, tiens, ça me stresse. Enlève-moi toutes ces merdes, ça M'emmerder m'angoisse. 107 ans, les poltergeists Oh de là con, hein, là. putain! Déjà que là, l'autre con là qui fait l'hélicoptère pendant 107 ans, maintenant il y a ça. Non mais c'est bon là, on a plein le cul, on a plein le cul. Fais attention, ça pourrait se répercuter sur nous. T'as déjà vu ce que ça fait juste avec une caisse? Ah, j'ai Alors oui, là, j'ai tu vu viens de ça. Ouais. frapper au moins des centaines, des fous, des dizaines de boîtes. Ah, j'ai vu ça. Ouais. Non Faut qu'on mais jette tout, ça me tout fout dans à la bout cage ça. Hein. d'escalier, tout dans la cage d'escalier. Ça me fout à bout ça. Jette-moi tout dans la cage d'escalier. Tu Ah bah sais j'y quoi? vais. Hein. On va se passer les trucs. Dans le crématorium, allez hop là. Ah. On se passe les trucs, d'accord? Je te charge tout pour toi, pas trop loin. Regarde, je te charge tout ici. Vas-y, vas-y. Hop. Et quasi, moi, je te les Allez, porte oh, d'un bras. bordel. Bam. On sent que Gigi, là, t'es énervé. Hein. Ah, je suis Ça énervée, se c'est bon, voit. ça commence à m'énerver. Putain Ça de. m'énerve ce genre de truc. Écoute, ça m'énerve, moi je te dis, ça me fait peur. Et quand j'ai peur, tu sais ce qui se passe? Et bah, je suis énervée. Voilà. Ah bah, ça se voit. Hein. Ouais, non, mais moi, ça m'énerve aussi. Donc, là, je Ça vais en toucher m'agace. deux mots à l'autre con là, Il va faire de quoi? René la René? taupe. Hein. René la taupe, Mais je vais lui en il toucher deux est myope mots. comme une taupe, il porte bien son nom, celui-là. Qu'est-ce que Ah tu bah veux qu'il oui. voie? Il verra rien du Ah tout, de bah toute oui, mais façon. en plus je te l'ai dit, hein, il a des culs-de-bouteille Il a à la place de ses stigmate, ce lunettes. con. Hein. Oh l'enfoiré. Il voit Je vais lui en rien, il est toucher tout le deux mots, temps. cet enfoiré. Je lui dis la prochaine Vraiment, fois, bah, il connard. aura qu'à se démerder. Toi. Il se démerde, tiens, il fera son 14 juillet tout seul, ça m'énerve. Ça. T'es pas au courant, ça? Tu veux qu'on en parle aussi? De quoi du 14 juillet? Le Qu'est-ce qu'il me 14. raconte le 14 Ouais, bah, juillet? je vais te Qu'est-ce qu'il a raconter, fait? moi, le 14 juillet, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends, je vais parler plus fort, d'accord? Parce que vu qu'on est à l'autre bout, Ouais, tu vas-y, m'entends, vas-y, je là? t'écoute. Ouais, je t'écoute, Voilà. Gigi, vas-y. Donc, du coup, ces gens. Voilà. Tu sais pas ce qu'ils ont fait le 14 juillet? Ils ont tout Non. fêté. T'es où? Voilà, t'es là. C'est là. Ils ont décidé de faire la fête ensemble le 14 juillet. Ils ont loué une péniche. Non. Regarde-moi bien. Ils ont loué une péniche. Non. Ils ont fait la fête. Beaucoup d'alcool, plus qu'il n'en faut pour nourrir une baleine bleue. Et Non. je te Elle serait plus jure. bleue à cette heure-là, non. Ouais. Bon, elle est peut-être plus proche du violet, on va pas se Ouais, mentir. Mais ouais. quand même, tu vois, plus qu'il n'en faut. Ils ont tous bourré à la fin de la soirée. En plus, t'imagines, c'était la Coupe du Monde en même temps, je sais pas Ah quoi, là, oui, ils ont bah fêté leur. vas-y, hein, on tire Alors, les bleu, rideaux, tout blanc, ça, rouge, bah bam, oui. la petite Julie, cette salope, comme Ouais, d'habitude. on a Elle, fricoté tellement encore avec bourrée comme une Michel, hein, tanche. aussi, ouais. Tellement bourrée comme une tanche. La petite pas qu'elle enlève son soutien-gorge, qu'elle le jette par-dessus la péniche, mais cette conne. Ah bah Vu allez. que tu le jettes par-dessus la péniche, mais que la péniche elle avance, qu'est-ce qui se passe? Bah, il n'y a plus de soutif. Y a plus de soutien-gorge, oui, forcément. Soutien-gorge, René. Oh bah, René, t'inquiète pas qu'il s'est rincé l'œil, hein, ce petit Ah, il saligaud, s'est comme rincé d'habitude, les on connaît quatre les bails. tuyaux, là. Ah bah oui, hein. Ouais, on connaît, on connaît. Et du coup, ils ont tous fait la fête. Tout le monde a été invité. Écoute bien ce que je vais te dire. Ouais. Tout le monde a été invité, sauf Martine, bah, qui est Et toujours au bah, en Bahamas, train de c'est qui faire m'a la dit, fête. Bah, hein. tout le Ouais, temps, Ibiza, je sais elle plus. sirote. Ouais. Oh, bah, ça a bien Oh bah, elle payé, a bien hein. Je sais pas dans raison, quoi elle a hein. noyé Martine, mais apparemment, elle s'est fait des pépettes. Ah Mais bah bon, elle a tant bien mieux pour raison, elle. écoute. Tant mieux pour elle. Et Hein. puis, qui c'est les deux connes qui n'ont pas été invitées? Bah, c'est moi et toi. Ouais. Ah, putain. Et ouais. J'ai Là, appris ça. J'ai ouais. appris ça de la part du petit Billy. Tu sais qui s'occupe des Ouais, photocopies. Voilà. le petit billet. Bon, j'y retourne Même parce lui, que il a je été marche un peu, invité faut que aussi, je me hein. détende. Hein? Bah, lui, il a été invité. Et Ouais. apparemment, il aurait dit pourquoi vous n'avez pas invité Gigi et Ça veut dire Béatrice. Tu sais ce quoi, qu'ils ont répondu? là? Vas-y, je On t'écoute. n'invite pas les femmes de ménage. Hey. Ah bah tiens, alors là, ça va chier.
Oh bah tu sais quoi, tu sais quoi, moi je vais pisser soir sur leur PC. Tu vas voir. Moi, je vais pisser dessus, je commence à avoir la pif par-dessus, tu vois, regarde comme ça. Pif par-dessus, mais genre ça me passe au-dessus, hein, je te jure. Même toi, je le vois que ça te passe au-dessus. Ça me passe au-dessus. Hein. Ah, j'en peux plus, moi, ça me... Non, puis je vais te dire, le truc qui m'a le plus énervé dans cette histoire, c'est quand même de dire on n'invite pas les femmes de ménage. Con, con, hein. Pissé de... Hein, voilà. T'allais se faire foutre. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Béatrice? Il y a les caméras, Béatrice. Je les emmerde, les caméras, tu m'entends? Tiens, voilà. Voilà. Saloperie. T'as raison. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, mais allez, on milite. On milite, nous aussi, d'accord? Pour le droit des femmes de ménage sur les yachts. Pour qu'on puisse être tranquille. Pour t'as qu'on compris. Puisse avoir nos dimanches. Voilà. Nos samedis. J'ai trouvé ça en bas sur le bureau, là. Attends, t'es où? Toujours au même endroit. Attends, tiens, je te vois. Enfin, je te vois. J'ai façon de parler, j'arrive de peine à voir, mais regarde ce qu'il y a marqué sur la note, là. Ça parle de Bob. I'm so excited. Rick now. Il est excité maintenant. Janitor. From Division F. Brugget. Us summer info. About Bob. It's been month since. Oui, heard. Annie, rumors. Ah, donc il y a un gars comme eux de la division F qui a rapporté des infos concernant Bob et ça fait des mois qu'il n'a pas entendu parler de lui. Enfin, ça fait des mois qu'il a... Rumeurs. Oui, des rumeurs, oui, voilà. The few of us who believe in Bob know the truth. Oui. Is preparing to come out of the shadow and strike. Is coming back to save a soul. Ouh, ça pue la merde, ça, si tu veux mon avis, Gigi. Dis-moi tout, là, parce que j'ai pas tout compris. Bah, en fait, si tu veux... Parce que moi, je lis bien l'anglais, t'as vu. Mais ouais, j'ai pas... Ah, je vois ça, pas. T'as un très bon anglais. Hein. Ah, t'as apparemment... vu mon accent. Ouais. It's so British, hein. It's so beautiful. Oh, ça veut dire... Béatrice. thank you very much. You're welcome, Gigi. Ah, bah tiens, allez, une autre, et ça, c'était la dernière. Béatrice. Ouais. Viens voir. Attends, j'arrive. Tu sais qu'on nettoie tout le temps du sang, ça on est d'accord. T'es où? Oui. Viens nous voir, t'es où? Là, je suis juste derrière toi. Regarde-moi par terre les traces de main, là. Et je sais que ça. Va pas falloir me faire croire que c'est un nourrisson qui essaye de prendre du lait. Bah t'as vu la taille des mains, je pense pas. Ou alors c'est peut-être un gars qui est plus jeune et qui marche sur les mains. Il y a encore une note, là. Attends. Attends. Hein? Fais-moi donc voir la clé USB là. Peter Jackson. On l'a la réponse. Peter Jackson. Peter le fameux Jackson. Mec. Tu te souviens pas de cette histoire de Peter Jackson? Peter Jackson. Tu te souviens pas? Remémore-moi la tête. Il était dans un champ de tournesol. Tranquille. Et puis en fait, il était avec ses enfants et tout le bordel, tu vois. Ah, et puis, ça qu'il était en train de compter, tu sais. Ouais. Il jouait à cache-cache avec ses enfants. Et il devait compter jusqu'à 60. Il était là, 1, 2, 3. Et au moment du 53, 54, 55, là, il s'est fait 56, moissonner. Ouais. Il s'est fait moissonner le bas du corps. Oh, le écoute, pauvre Peter Jackson. Écoute-moi bien cette tristesse. Tout le bas du corps. Ils ont retrouvé sa godasse dans une huile de tournesol. Dans une des bouteilles d'huile de tournesol du village. Oh, mon Dieu. Et je croyais que c'était son alliance, moi. Et du coup... C'est pas sa bosse, c'était son alliance, non? Bah, en fait, techniquement, il s'est fait moissonner que le bas du corps. Donc, en fait, l'alliance, tu vois, si on se demande si elle a pas été rajoutée après. Tu me diras, oui. Il s'est fait moissonner que le bas. C'est du logique. Coup, l'entreprise avait dû le prendre parce qu'il faut tant de personnes, tu sais. Handicapées, oui, voilà, un certain pourcentage. Ouais. Et du coup, c'est vrai que lui, il se déplaçait tout le temps, ce petit Peter, sur les mains. Bah oui. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il y a des traces de mains. Bah oui. Bah, donc, je pense que c'est ça, ça devait être Peter. Par contre, Peter, est-ce qu'il. Il est vivant, il est pas là. On sait pas. Là, on est moins sûr, tu vois. Mais donc, bah, c'est bon, affaire résolue par rapport à ça. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Hein, mais... Ah non, t'as bien raison. Est-ce que je peux nettoyer quand même Ah bah ouais. Bah, j'espère qu'il est toujours vivant, hein. Sinon, pauvre femme. Voilà. Elle est gentille, sa femme, en plus, je la connais. Enfin, je la vois de temps en temps, mais bon.
J'espère qu'il s'est pas refait moissonner, ça serait con quand même. Oh bah t'imagines après le. Moissonner ce qui lui reste. Oh tiens, oh. Là. Oula, oui, dis donc. Attends, j'y vais, t'inquiète. Oh là, vas-y donc, merci. Tu m'as poussé pour me faire avancer, c'est nickel. Bah, excuse-moi. Non, t'inquiète, au contraire. Ah oui, bah vu la merde qui est en bas, c'est pas étonnant qu'on a des petits problèmes. Des problèmes de vue, ouais, ah oui, putain. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Ouais, je t'écoute. Je pense que ça serait pas plus rapide de cramer le bâtiment. J'en peux plus, hein. Avec la fumée, là, c'est sûr. Ah ouais, ça pue. Ah, oh, puis le sang, là, faut voir depuis quand ils sont là, hein. Ouais, ils coagulaient le sang, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ils auraient quand même pu nous mettre deux funérariums. J'avoue. Un au-dessus, un en-dessous. Ça aurait été utile, tiens. Ah ouais. Béatrice, je te fais confiance, tu me prends un petit saut, là. Tu me nettoies tranquillou la cage d'escalier, tu descends au fur et à mesure. Ouais, ouais, bah c'est ce que je suis en train de faire, Gigi. Nickel. Parce que tu vas voir en bas le sang, le bordel. Ah bah je l'ai vu tout à l'heure. Ah, j'ai vu. Mais là, c'est pire, vu que depuis tout à l'heure, je fais que d'emmener. Allez, hop, voilà. On ferme, emballer ses pesiers, on fera la suite demain, hein, vu la merde qu'il y a. Allez. Bah du coup, et où on filme. Bah on rentre ensemble, de toute façon. Allez, ramène. Salut les merdeux, hein. Ouais, tiens, hein, un petit coup pour la caméra encore. Voilà. Ça, c'est pour moi.